Bonjour et bienvenue dans ce nouveau magazine des coulisses de la science au féminin. Et oui, vous l'avez compris, aujourd'hui nous allons rencontrer des femmes exerçant leur métier dans le domaine scientifique. Car contrairement à l'image trop tenace qu'on se fait de ce milieu, celui-ci n'est évidemment pas réservé aux hommes, loin s'en faut. Et nous allons vous le prouver à travers trois rencontres passionnantes. Pour commencer notre parcours, je vous propose de prendre la direction de Koumac, où Naïké, originaire de cette commune, a ouvert son cabinet d'ostéopathe. Après 9 ans d'études en métropole, Naïké exerce depuis 3 ans sur le territoire en ostéopathie humaine, équine et canine. La Nouvelle-Calédonie étant le pays du cheval, nous sommes évidemment intéressés à la partie équine du métier. En regard. Woman, please be gone. You stayed here much too long. Don't you wish that you could cry? Don't you wish I would die? See me, seesaw kids, child women on the street. Je suis ostéopathe humain, équin, canin. Je suis partie faire mes études en métropole à Paris en 2002. Je suis revenue en 2012. Et j'ai installé mon cabinet, j'ai ouvert mon cabinet dans ma ville d'origine, à Koumac, et j'exerce donc depuis 3 ans en ostéopathie humaine et équine, le canin n'étant pas encore très très développé, mais ça commence. On a forcément besoin d'ostéopathes équins en Nouvelle-Calédonie, comme on a besoin d'une équipe soignante chez tout sportif, et d'autant plus en Calédonie que c'est le pays du cheval. Et on vit avec les chevaux, on vit à travers les chevaux. Et de ce fait, avec toutes les activités qu'on a autour des chevaux, on se doit du bon traitement du cheval. Et donc ça va de soi, en collaboration avec les vétérinaires, effectivement on a besoin d'ostéopathie pour chevaux. Si on veut le meilleur de notre cheval, si on veut le maintenir le plus longtemps possible dans les meilleures conditions, il faut de l'ostéopathie. On a développé l'ostéopathie équine en toute connaissance de l'ostéopathie humaine pour la simple et bonne raison que tout système musculo-tendineux, tout système musculo-squelettique, donc aussi bien humain que équin, on va lui demander un effort, donc on va lui demander de ce fait une liberté articulaire pour éviter toute douleur, pour éviter tout développement pathologique. Et pouvant l'obtenir sur l'humain, le passionné de cheval, le professionnel du cheval, va forcément et logiquement l'adapter au cheval, pour la simple et bonne raison qu'on considère le cheval comme un sportif, comme un être aussi utilisé pour le travail. Maintenant, on l'utilise beaucoup pour le loisir, et plus d'ailleurs pour le loisir, pour les jeux, chez le stock, au polo, au horseball, au saut d'obstacle, au dressage, dans les courses, la voltige. Et de ce principe-là, eh ben, on adapte au cheval l'ostéopathie qu'on adapte à l'humain. C'est le même principe. C'est vraiment réharmoniser la globalité du corps pour que tout fonctionne correctement, sans lésion et donc, qui plus est, sans douleur. Les gens au départ n'étaient pas très au courant de l'ostéopathie équine. Ils en ont vaguement entendu parler. Et puis effectivement, quand je suis arrivée, j'ai été confrontée à souvent, très souvent la même question. On m'a dit que vous étiez ostéopathe, je ne sais pas trop à quoi ça sert, mais il paraît que c'est bien pour mon cheval, donc voilà. Mais j'ai peur quand même, parce qu'il paraît que vous faites craquer, donc, mais bon, il paraît que c'est bon quand même, alors je vous fais venir.
Il suffit d'expliquer le principe de l'ostéopathie, de leur faire découvrir, de les faire prendre conscience de ce que ça peut apporter, qu'ils se rendent compte aussi, derrière la consultation, ce qui se passe sur leur cheval. Et puis bon, ben voilà, ça fait son petit bonhomme de chemin et maintenant c'est de plus en plus développé et il y a de plus en plus de demandes. Pas mal d'arthrose quand même hein, sur ces articulations. Ça se ressent. Voilà. Oh, j'ai tout bloqué le loin. On regarde l'état de la langue par la même occasion. S'il n'y a pas de blessure, s'il ne se mord pas. Des accroches à ce niveau-là, au niveau mandibulaire, étant donné qu'on est lié aux os du crâne. On peut donc avoir une perte d'amplitude de mobilité sur les os du crâne qui s'articule avec les premières vertèbres cervicales, donc l'atlas, l'axis, de C1 à C7. Et donc du coup, avoir une répercussion de mobilité sur les cervicales. Tu peux très bien avoir un cheval qui a un problème même dentaire, mandibulaire, quelque chose au niveau de la tête. Donc on vérifie la symétrie des articulations, la mobilité des articulations, pour voir qu'il n'y ait pas de répercussion au niveau cervical. Un cheval va par exemple va porter sa tête un peu de côté constamment, légère rotation. Ça peut provenir d'un problème au niveau cervical haut, qui peut lui-même être induit par une lésion de mobilité des mâchoires par exemple. Ce que tu vas forcément avoir de récurrent comme type de douleur, ça va être déterminé par la boiterie du cheval, antérieure ou postérieure. Mais pourquoi il y a cette boiterie? Ça peut provenir de n'importe quoi. Donc ça pourrait provenir d'un maxillaire, d'une mandibule, ça pourrait provenir d'une cervicale, je parle d'une boiterie antérieure, mais ça pourrait provenir du bassin, ça pourrait provenir de partout. C'est des schémas, il faut retrouver l'origine. C'est tout un tas d'adaptations qui vont faire que tu marches sur la queue du chat, ça miaule à l'opposé, ben, c'est le même principe. Dans les élevages, les chevaux qui, eux, leur travail va être exclusivement de rentrer le bétail, etc. On va commencer à avoir des propriétaires qui, même pour ces chevaux-là, trouvent l'utilité, comprennent l'utilité de l'ostéopathie sur leur cheval. Parce qu'évidemment, même rentrer le bétail, ça entraîne des contraintes sur le cheval. Le cavalier, de toute façon, sur son cheval, est une contrainte pour la mécanique, la biomécanique de son cheval, pour la simple et bonne raison qu'un cheval qui se déplace à l'état sauvage en liberté n'a pas du tout les mêmes incurvations, ne se déplace pas du tout de la même façon que quand un cavalier est dessus et va le contraindre lui, de par ses jambes, de par ses mains, de par ses actions de poids du corps, de déplacement, à modifier son centre de gravité et donc forcément à partir de ce moment-là créer des contraintes sur la biomécanique du cheval. Et comme on dit, tant qu'il y a de l'équitation, il y a de l'ostéopathie. En province nord, nous avons croisé le chemin d'Aurélie qui prélève régulièrement des échantillons de sédiments dans la rivière de la Foix-Tchamboué. Doctorante en hydrogéochimie, Aurélie étudie les éléments métalliques présents dans l'eau. En quoi ça consiste exactement? On regarde. Il y a trois grands axes dans ma thèse. Dans un premier temps, c'est de définir l'état naturel des cours d'eau. Donc, par exemple, dans un cours d'eau, c'est quoi les concentrations naturelles, par exemple, en nickel ou en cobalt. Donc ça a été un des premiers temps de ma thèse, donc vraiment de définir ce que l'on appelle, nous, en science, le bruit de fond géochimique. Du coup, c'était là où on avait pris la dernière fois. Ça n'a pas beaucoup changé. Tu vois, les fumes sont juste sur le dessus, dès que tu creuses, c'est le grossier.
coup, il faut prendre de ce qu'il y a au-dessus. En comparant ce bruit de fond naturel avec une rivière qui était, elle, sous l'activité minière, donc juste en dessous d'un site minier abandonné, on a pu avoir, en comparant les deux, des éléments métalliques qui étaient très différents, en fait. Ce travail-là, il a permis d'identifier, en fait, des éléments qui sont marqueurs de l'activité minière. Donc le nickel, le cobalt, le chrome, le manganèse, le fer et d'autres encore. L'année dernière et cette année, je me suis intéressée à étudier les éléments métalliques dans les rivières, mais quand il pleuvait. Donc, à savoir que quand il pleuvait, moi, mon site d'étude, c'est le Cognambeau. Donc, quand il pleuvait sur le Cognambeau, quand la météo annonçait, je préparais mes affaires, je partais sur le terrain et j'échantillonnais les rivières pour définir, en fait, les concentrations en métaux quand il pleut, au cours de la crue. Parce que, on sait tous que quand il pleut, ça coule rouge. Et c'est généralement quand ça coule rouge qu'on a des concentrations élevées en métaux. Par contre, quand ça coule pas rouge, on peut aussi avoir des concentrations élevées en métaux. Mais là, c'est des métaux dissous. Pour avoir cette information-là, on prend un peu les sédiments qui sont... On est vraiment en amont du cours d'eau. Donc normalement, le sédiment, les particules de sol n'ont pas été transportées. Pas encore relarguer la totalité des métaux dans la fraction dissoute, dans l'eau en fait, dans l'eau des rivières. Et du coup, une étiquette pour le numéro de l'échantillon. Donc ça, c'est vraiment les travaux que je mène actuellement, l'échantillonnage de sédiments dans la rivière de la Fouat-Chamboué. Là, tu vois bien la préparation des échantillons, tout ça, ça qui est bon. En fait, on va caractériser en laboratoire les réactions en fonction de la taille de la particule. Donc, par exemple, la première fraction, c'est la fraction qui va être comprise entre 2 mm et 500 micromètres. Et cette fraction-là, on va lui mettre un pH donné qu'on connaît. Et on va regarder au bout de 8 heures la quantité de métaux qui va passer dans l'eau. Parce qu'après, au bout de 8 heures, on va prendre cet échantillon de sol qu'on a mélangé avec de l'eau à pH connu. Et on va jeter le sédiment, mais garder l'eau en fait. Et on va mesurer justement la concentration des métaux qu'il y a dans cette eau filtrée en fait. Du coup, ça va nous donner les éléments métalliques dissous dedans. Et on va faire ça à différents pH. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est avec différents pH qu'on a observés qui sont... naturel en fait. C'est des pH que l'on a en Nouvelle-Calédonie sur ces rivières-là. Déjà pour la communauté scientifique en général, à l'international, en fait, ces travaux, ils ont une importance. Ça n'a jamais été fait, par exemple. C'est un apport pour la communauté scientifique en général. Et plus localement pour la Nouvelle-Calédonie, c'est intéressant. Mes travaux ont été intéressants pour définir les concentrations naturelles des éléments métalliques. Donc c'est pour un peu aider la réglementation à fixer des valeurs, parce qu'à l'heure actuelle, on n'a pas forcément des valeurs et on ne sait pas sur quels travaux se baser. Donc c'est des travaux qui sont un peu pour l'ensemble des acteurs de l'activité minière, quoi. Donc les industriels, mais également les collectivités et aussi les populations aussi. Ça peut être intéressant parce que là, par exemple, sur le Cognambeau, on a des populations qui captent même leur eau de consommation, c'est l'eau des rivières, donc avec aucun traitement derrière. Donc ça peut être intéressant aussi de voir s'il y a une exposition. Bon voilà, après ça c'est plus mon domaine. Moi je travaille juste sur les éléments métalliques, après ça c'est de l'écotoxicologie, mais voilà, ça peut apporter des éléments de réponse pour plusieurs personnes. Ça c'est un Master Sizer. C'est un appareil qui va nous permettre de caractériser en fait la taille des particules que l'on va mettre dedans. Donc là, on est en train de mettre de l'échantillon dedans, dans l'unité de dispersion. Et après, c'est dans la deuxième unité qui est le banc optique, où l'on va avoir les capteurs qui vont nous indiquer la taille de nos particules.
pour pouvoir rentrer, préparer une thèse ou un doctorat, il faut avoir un bac plus 5, donc soit au niveau ingénieur ou soit au niveau master. Et après, on commence un doctorat sur 3 ans. Donc ça, c'est pas vraiment, c'est pas comme quand on va en cours, on a une classe et on suit des cours. Là, c'est complètement différent. On mène avec des encadrants et des directeurs de thèse des travaux de recherche. Donc là, on est vraiment tout seul. C'est un peu comme un travail. On est dans un bureau où on essaye de répondre à des questions scientifiques. Donc c'est vraiment un travail qui est long, c'est pas facile. C'est pas forcément évident, mais ça permet de gagner en expertise, en fait. Dans le sens où on comprend les principes que l'on apprend en master, par exemple, ou en école d'ingénieur. Et là, on va essayer de pousser la réflexion un peu plus loin. Donc, soit d'améliorer ces principes, de découvrir de nouveaux principes, de mieux comprendre des choses qui ne sont pas forcément expliquées, qui ne sont pas connues, tout simplement. Donc le doctorat, c'est un peu tout ça. Et l'encadrement est vraiment important, en fait. On a vraiment besoin d'être suivi parce que bon, c'est un travail où on est un peu tout seul. Eux, ils sont là pour nous aider à développer cet esprit scientifique et critique et nous aider aussi dans... Ils ont beaucoup plus d'expérience que nous. Donc, par exemple, ils disent, oui, ben là, par exemple, prends pas cette voie-là, c'est sûr, c'est mort. Il y a déjà des travaux, tout ça. Donc, voilà, c'est un gros travail d'encadrement qui vraiment est nécessaire à tous les doctorants. Et c'est intéressant, je ne regrette pas. C'est long, c'est dur, mais je ne regrette pas. Et voilà quoi, j'espère qu'il y en aura de plus en plus de docteurs calédoniens. Partons maintenant à la rencontre de Stéphanie qui va nous proposer un petit voyage dans le temps. Son domaine de prédilection à elle, c'est la céramique, mais elle se spécialise aussi dans la topographie. Stéphanie, qui exerce le beau métier d'archéologue, essaie de comprendre à travers les objets et les vestiges du passé les civilisations antérieures. On regarde. Alors là, on est justement sur les vestiges d'un ancien emplacement de case, ce qu'on appelle un tertre de case en fait, donc c'est le bombement qui est mis en forme et sur lequel va être construite la case. Et enfin voilà, ça fait partie de ces sites qu'on peut voir, c'est des vestiges de surface parce que du coup le paysage a été travaillé et donc on voit bien là, la circonférence en fait du tertre. Nous, la première intervention qu'on fait, c'est de faire une prospection pédestre sur l'ensemble du secteur. Et voilà, on inventorie en fait tous les vestiges de surface. Donc là, c'est flagrant parce qu'effectivement, il y a ces structures en élévation. Donc c'est aussi bien des terres d'habitat, qu'il peut y avoir aussi parfois des billons de culture, des terrasses de taraudières, ce genre de choses. Après, on a aussi des vestiges en surface. Et là, en l'occurrence, on est sur une petite ligne de crête en fait. Enfin, il y a les grandes qui cercle la vallée, et après il y a ces espèces de petits contreforts là qui redescendent vers l'intérieur de la vallée, et toutes les lignes de crête qu'on voit autour de nous, en fait il y a des tertres de cases. Donc là sur celle-ci, on a le tertre, un des plus gros qui est sur le sommet, et après plus on va descendre vers le creek, et plus il va y avoir aussi des plus petits aménagements de plateformes et de tertres. L'archéologie, d'une manière générale, c'est la recherche à travers les objets, les vestiges du passé, des civilisations anciennes, en fait, des populations qui nous ont précédées, essayer de comprendre ce qui s'est passé, comment ils ont vécu, quel était leur mode de fonctionnement, mais tout ça à partir des objets en fait, qu'on retrouve. Ce sont les seuls témoins. Et donc, c'est comprendre des civilisations passées, disparues, ou dont on a toujours quand même la trace, mais à partir de leurs objets, de ce qu'ils ont laissé comme vestiges d'objets et de constructions qu'ils auraient pu faire aussi, ouais, quelque part. Il n'y a pas que de l'objet, mais c'est principalement centré sur l'étude des objets, ouais, à la base. Là, on a encore une seconde plateforme. Là, en bas, on voit bien les deux aussi, c'est bien présent. Ça, ça a été travaillé et coupé dans le terrain, en fait. Il y a eu vraiment du sacré terrassement qui a été fait.
Et en plus, ce site est forcément favorable à une implantation humaine, parce qu'on a le creek qui passe juste en bas. Donc évidemment, il faut un point d'eau douce pour pouvoir s'installer et pouvoir vivre. Le métier, c'est effectivement de partir sur les indices laissés pour essayer de remonter un petit peu le fil du temps au fur et à mesure. Et, donc ça peut se faire... Là, on peut se balader quelque part et puis tomber sur des bouts de céramique ou des objets en pierre comme des herminettes, des haches ostensoires ou ce genre de choses. C'est vrai qu'on a toujours une idée de l'archéologie où on fait des trous partout, mais il n'y a pas que ça. Il y a énormément déjà d'indices en surface qu'on doit prendre en compte. Et effectivement, quand ça n'est pas le cas, il faut aller chercher plus loin, plus en profondeur. Et là, effectivement, on va faire des sondages. Voilà, et là par exemple, voilà ce genre d'indice qu'on peut avoir en surface. Là, tu vois, on est quand même assez loin de la mer et il y a de la présence de coquillages donc, qui ont été consommés, emmenés depuis le bord de mer et consommés sur place. Donc là, c'est obligatoirement l'indice qu'il y a eu une activité humaine dans le coin. Et là, voilà encore un indice où, là, effectivement, on a l'espace où on voit bien qu'il y a quand même un bombement qui n'est pas, comment dire, même si il y a l'effet naturel tu vois, de la, vers le creek avec l'aménagement de cette plateforme, mais là, on voit bien le bombement. Et en plus, là, en l'occurrence, on a encore les vestiges du foyer. Donc là, là, on est sûr d'être sur un ancien tarte de case. Le foyer, bah, c'est le feu. Centrale dans la case en fait. Donc toi, c'est aménagé avec des pierres. Forcément, en fonction du nombre de tertres, tu supposes le nombre d'habitations. Après, il y a combien de personnes par habitation, en sachant qu'en plus, sur cet espace-là, il doit y avoir une dizaine de tertres, mais toutes les lignes de crête qui sont situées de chaque côté, il y a aussi plusieurs tertres de cases. Donc tout le but après, ça va être de faire des interventions au niveau de vraiment en sondage pour retrouver des niveaux d'occupation avec des charbons. Tout le but, ça va être de savoir voilà, si tout fonctionne en même temps, s'il y a une occupation progressive, s'il y a l'abandon d'un certain endroit pour aller ailleurs. Enfin voilà, c'est tout le but de nos interventions en fait. C'est assez vaste comme discipline. Après, on est tous plus ou moins polyvalents. On a après des domaines de prédilection. Moi, en l'occurrence, je travaille pas mal sur la céramique, donc les poteries hein, en terre cuite. Et puis, j'essaye aussi, là, au niveau du terrain, de me spécialiser sur les relevés topographiques, en fait, faire les cartographies des sites qu'on peut découvrir. Mais après, voilà, il y a la phase terrain. Tout le monde fait un peu de tout sur le terrain. Voilà, la fouille, c'est hyper varié aussi comme activité. Mais après, globalement, oui, une fois qu'on retourne au labo, on a chacun nos domaines d'études, de prédilection, de par nos affinités, les formations qu'on a pu avoir et les goûts qu'on a aussi sur les objets. Bon, voilà. D'autres, c'est les objets en pierre ou il peut y avoir les objets en coquillage. Bon, en l'occurrence, c'est la poterie. Alors ça, c'est la collection qui vient du site de Fouet. Donc c'est le site Lapita. Le nom de la culture Lapita, en fait, vient du nom du site où ont été trouvées les fameuses poteries complètes dans les années 90. Ce sont des fragments de poterie. Donc on garde ceux qui ont... Bon là, ça se voit, hein, y a pas mal de décors sur les tessons. Après, ça peut être aussi des formes particulières, tu vois, là.
Par exemple, celui-ci, il a une courbure caractéristique, c'est une partie particulière du pot et on peut l'associer à une tradition spécifique qu'on date. Donc là, on sait qu'on est aux alentours du premier millénaire avant Jésus-Christ. En fait. Déjà d'office, rien que par la typologie en fait, du tesson. Et là, en l'occurrence aussi, les typologies de décors, parce que c'est donc du lapita, donc c'est bien spécifique. C'est des décors qui sont réalisés au peigne. Ce sont des impressions pointillées. Voilà, c'est réalisé avec des outils comme des peignes, en fait, droits ou courbes. Et ça, c'est vraiment caractéristique des poteries lapita, en fait, donc des premières populations qui arrivent en Calédonie il y a 3000 ans. Aussi, c'est faire des typologies, donc rapprocher des formes de peau, voir les évolutions justement à partir d'une première forme de peau qu'on a datée, qu'on sait plus ancienne qu'une autre, et de voir l'évolution après des profils. Donc après on reconstitue voilà, effectivement quand c'est possible hein, les poteries. Voilà les fameuses poteries carénées. Donc elles ont une forme vraiment particulière qu'on ne retrouve plus après. Après on part sur des objets qui sont beaucoup plus globulaires. Et ça, c'est un peu plus récent. Ben, c'est aux alentours de zéro. Ça reste ancien quand même. Mais tu vois, il y a vraiment une différence, en fait, entre chaque... et même au niveau des ouvertures, la forme du bord. Ben, voilà, il y a tout un aspect technologique aussi qui est à prendre en compte pour pouvoir identifier et isoler chaque type de poterie. Donc, du coup, ça permet d'identifier des groupes, d'identifier ce qu'on appelle des traditions, donc des périodes aussi bien précises de la chronologie. En l'absence de datation, et même avant même d'avoir reçu les datations carbone 14, ne serait-ce qu'avec l'étude des objets et leur identification typologique, on sait déjà plus ou moins dans quelle fourchette de temps on est sur le site, là où on les trouve. On a déjà une idée de la chronologie du site sur lequel on est en train de travailler en fait. En Nouvelle-Calédonie, évidemment, qu'il y a un potentiel de travail, un potentiel énorme. Ça justifie notre présence, ça justifie la création d'un institut d'archéologie. On est 16 personnes aujourd'hui à travailler dans l'institut, donc évidemment qu'il y a du potentiel. Je pense qu'on a tous besoin de savoir d'où on vient, ce qui s'est passé avant. Ça justifie d'autant plus notre présence et nos activités. C'était un prof à la fac qui disait si effectivement la connaissance du passé nous permettait de tirer des leçons, des erreurs et puis de faire mieux après, ça se saurait. Mais malgré tout, moi je caresse toujours cet espoir-là, oui, effectivement. Puis c'est une connaissance de l'humain en général aussi, des fonctionnements, des sociétés, de l'évolution, de comment on en arrive nous ici. Parce qu'en même temps, voilà, il s'est passé tout ça avant aussi. C'est comme en histoire de l'art, c'est pareil aussi pour comprendre une œuvre. À un moment présent, il faut remonter dans la genèse, l'évolution de cette œuvre et pourquoi ça aboutit à ça en fait. Et nous, on le fait sur des grandes échelles, parce que c'est sur des sociétés humaines. Bon, là, c'est sur un plus petit territoire, mais bon, l'archéologie en général, c'est une façon d'appréhender notre monde. Cette émission touche à sa fin. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau numéro des coulisses de la science. En attendant, retrouvez-nous sur nctv.nc. À bientôt! Woman, please be gone. You stayed here much too long. Don't you wish that you